envie de participer à ce mantra fest, de répondre à cet appel du cœur. Alors bon, bah, c'est aussi une histoire de rencontre et d'opportunités qui se sont présentées, parce que mon voisin de l'année dernière connaissait les organisatrices du festival. Et donc il m'a parlé de ce festival, et moi je connais déjà bien ce site ici, où j'ai participé à beaucoup de festivals avant, Éveil Action, les Journées de la Paix, à cette même période de l'année aussi, pendant la fête de la musique. Donc on est venu, moi j'avais envie de venir l'année dernière, j'ai pas pu. Et cette année, voilà, j'avais déjà contacté à l'avance le festival en disant que j'avais entendu parler et que ça me ferait vraiment plaisir de participer l'année prochaine, en sachant que la musique que je travaille avec mes amis est une musique qui correspond au public qui vient au Mantra Fest, qui correspond à ce cadre naturel d'harmonie avec la nature et les éléments. Donc c'est aussi des petites bulles de paix. Et avec Julien, où on a fait un concert ce soir, on s'est rencontrés autour du projet Sadaka, sur l'album sur les chakras. Et par la suite, on s'est retrouvés sur ce projet actuel qu'on a présenté ce soir. Qui est le début, voilà, d'un travail ensemble pour avoir un duo ensemble. Et nous avons invité de manière très très spontanée ce soir une fille, Aurore, qui joue de la nickel harpa et qui joue du violon comme Julien. Il y a eu une très très bonne connexion et on lui a proposé de faire le concert avec nous, donc de manière totalement improvisée, quoi. Moi je me suis régalé, j'ai passé un très bon moment. Parce que voilà, beaucoup d'amis qui se retrouvent dans un très beau cadre. Donc c'était un très beau moment de musique, de partage, d'échange. Voilà, vraiment bien.